accueilli le membres du comité de gestion, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation nationale, Madame la secrétaire générale, camarades étudiants, de l'Université nationale d'ouverture de Séoul en Corée du Sud dans le domaine de l'enseignement à distance, de l'Université Jean en Espagne, de l'Université de Parakou au Bénin, de l'Université KwaZulu-Natal de l'Afrique du Sud, qui les rendent aux établissements de l'enseignement sur l'université de notre pays, comme professeur, toutes les pistes de coopération pour son rayonnement et sa visibilité. Ces efforts se poursuivent avec d'autres partenaires, surtout à la recherche des financements pour résoudre nos problèmes au profit des facultés de sciences agronomiques et de l'université de l'UPR. La mise en l'honneur de l'UPR, c'est notre honneur. Au lendemain du jour et lauréate, je vous présente au nom du recteur nos vives et chaleureuses félicitations. Partout où vous irez, soyez des dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'Université pédagogique nationale. Chef des travaux, 555 assistants au deuxième mandat, 97 assistants du premier mandat, 18 bibliothécaires, 4 membres du personnel scientifique en formation. Comme on peut bien s'en rendre compte, l'UPR dispose premier et deuxième cycle. L'Université pédagogique nationale organise les enseignements théoriques et pratiques à travers 8 facultés et 38 départements spécialisés. Il s'agit des facultés ci-après, faculté des sciences agronomiques, faculté de médecine vétérinaire, faculté des sciences économiques et de gestion, faculté des sciences, faculté de lettres et sciences humaines, faculté des sciences sociales, administratives et politiques, faculté de psychologie et sciences de l'éducation, et faculté de pédagogie et didactique de discipline. Globalement, tous les enseignements contribuent à la formation de l'élite par l'organisation des conférences, séminaires, ateliers et autres activités scientifiques, voire sur de la gestion de toutes les activités d'encadrement.
Tels sont en effet les différents axes qui vont constituer le ministère. Du point de vue politique, l'engagement ferme d'Emmanuel est démenti. Les vendeurs ambulants doivent être tenus en dehors des infrastructures académiques. J'instruis les autorités académiques à y veiller. 6. Il s'agit pour chacun de nous de s'engager à la protection du patrimoine des établissements à qui, grâce au sacrifice des Congolais, destructrice des bâtiments, du patrimoine immobilier et de tout autre bien public ou privé se trouvant sur nous. Si le pas de défendre les intérêts de nos camarades étudiants qui constituent notre mission principale essentielle,